dund ko bu fi jógee ñoom loolu dafay nekk loo xam ne yéen am ngeen ko ngeen mën a ak li ngeen am ngeen di ko joxe di waat askan bi. Nous avons cette année l'honneur et le grand privilège d'accompagner l'équipe UCAD Rural dans ses activités citoyennes ici à Niakhem. Alors notre objectif en tant que linguistique, c'est d'accompagner ces femmes en formation sur l'alphabétisation. En tout, on a 12 femmes à former pour qu'à leur tour, elles forment d'autres gens de leur population. Ce qu'on a remarqué, c'est que le taux d'alphabétisme est très faible par rapport à ce que nous, on attendait. C'est pour cela qu'on accompagne aujourd'hui UCAD Rural dans cette lancée pour éradiquer ce phénomène et aider les femmes à accéder à l'éducation, la formation également. Déjà, il faut rappeler qu'en 2016, ces femmes avaient bénéficié d'une formation en alphabétisation. Ça veut dire qu'elles ont déjà les bagages pour lire, écrire et échanger en langue nationale. Alors, il s'agit dans ce contexte, en 2018, de renforcer d'abord les compétences de ces femmes afin qu'elles puissent tenir des salles de classe, pour que ces femmes, au sortir de cette formation, auront quand même les possibilités de gérer une salle. Je vais vous dire tout pour Niakhem au cœur du Kayor. Les communications se font également essentiellement en langue nationale, d'où l'importance de renforcer les compétences en langue nationale, en lecture, en écriture, pour les permettre quand même vraiment de faire les échanges et les communications en langue nationale. Il ne faut pas oublier que même sur Niakhem, il y a toute une histoire, il y a toute une culture qu'il faudrait quand même écrire en langue nationale. Nous sommes dans une logique de faire la promotion de nos langues nationales. Et comme l'autre le disait, un pays ne peut pas se développer sur la base d'une langue étrangère. Alors on est en train vraiment de faire de nos langues nationales des langues susceptibles de véhiculer des sciences, des techniques, au même niveau que l'anglais, au même niveau que le chinois. Alors ces femmes qui ont été déjà initiées, il s'agit pour un premier temps d'évaluer d'abord le niveau de ces femmes afin de les mettre en jour pour voir si le niveau est bon ou bien si le niveau est assez bon. Maintenant, au sorti de cette formation, nous allons essayer de voir comment on peut faire pour renforcer les compétences de ces femmes. Mais pas seulement de renforcer, mais pour qu'elles puissent, au sorti de la salle, gérer une salle en alphabétisation. Il faudrait dans ce cas-là faire la différence entre la pédagogie. Quand il s'agit d'enseigner des enfants, il faudrait avoir la pédagogie. Mais pour ces adultes-là, il faut de l'andragogie. Parce qu'il s'agit de gérer des adultes. Alors vraiment, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Alors on est en train d'essayer de renforcer les compétences de ces femmes qui ont été déjà initiées sur la base. Alphabétisation, et cette année une satisfaction parce que nous avons formé des formatrices et nous sommes en train de travailler à les installer dans des salles. On va se rapprocher du ministère en charge de ce domaine-là pour les installer dans les salles pour pouvoir toucher le maximum de dames dans la zone parce que l'alphabétisation constitue un réel problème dans la localité. Saluons vraiment la vision du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui depuis lors quand même est en train de faire beaucoup d'actions pour que l'université puisse sortir du cadre de l'université mais de rendre service à la communauté. C'est essentiellement ce que nous saluons. Les activités citoyennes pour nous c'est vraiment une très belle expérience parce qu'on a participé à la première édition en 2016.
Et après cela, on a pu comprendre qu'il fallait vraiment rendre service à la communauté. Nous avons vu également à Niakhem qu'il y a plusieurs compétences qui sont réunies. Alors, il s'agit vraiment de les promouvoir et d'accompagner cette communauté pour qu'elle tend vraiment vers l'émergence qui est tant aspirée au Sénégal. Nous avons beaucoup d'arrêts. Nous avons fait ce que nous avons fait pour nous et pour nous. Thank you.